Notre table ronde de notre convention nationale à la CCEF a été consacrée à la RSE et à l'ESG en matière d'évaluation d'entreprise et l'impact de la période Covid et post-Covid. Donc, nous avons eu quatre interlocuteurs. Parmi ces interlocuteurs, nous avons eu François Gégard, qui nous présentait les travaux du comité de développement durable de l'ordre et donc la RSE et l'ESG dans les entreprises PME-TPE. Nous avons eu Antoine qui nous a évoqué le point de vue de l'investisseur au travers des pratiques qu'il a développées dans la société de gestion qu'il représente. Et nous avons eu aussi Alban qui nous présente là l'aspect analyste financier et comment les analystes financiers utilisent les critères ESG et RSE en matière d'évaluation. Et nous avons eu aussi la présentation de Patrick de Cambourg, de ses travaux réalisés sur le plan français ainsi que sur le plan européen en matière d'information extra-financière. Donc je vais laisser la parole à François pour nos PME et TPE. Ben, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il était important de parler concrètement de la RSE sur les TPE et sur les PME et de donner du concret et en fait de dire que il existe dans une entreprise plusieurs effets de levier, les effets de levier financiers que l'on connaît tous, mais aussi les effets de levier digitaux et puis les effets de levier plus RSE qui tournent essentiellement autour des problématiques sociales et environnementales. Et si l'on groupe tout ça et qu'on intègre aussi les problématiques de qualité de la production ou du service rendu, on arrive vers des concepts de comptabilité de performance durable, c'est-à-dire pas des systèmes comptables, mais des outils de pilotage. Parce que la grande différence entre les grandes entreprises et les petites entreprises, sur les grandes entreprises, il y a une dichotomie entre, d'une part, les investisseurs et d'autre part, les dirigeants. Donc, dans les rapports RSE ou dans les déclarations de performance extra-financière dans les entreprises, ce sont les dirigeants qui vont essayer de convaincre de leur action pour convaincre les investisseurs qu'ils vont dans le bon sens. Dans une PME, le dirigeant est la plupart du temps aussi l'associé principal, l'actionnaire principal. Et donc, ce qui va l'intéresser dans la démarche RSE, c'est comment il peut augmenter sa performance et sa performance globale. C'est ce qu'on a essayé de présenter dans le cadre de cette conférence. Alors du coup, moi-même, j'avais la casquette d'investisseur, donc je confirme ce que disait François, c'est qu'effectivement, on est en demande en tant qu'investisseur d'éléments qui vont tangibiliser la démarche. En premier lieu parce que, comme le mot l'indique, la durabilité veut dire qu'on peut se projeter dans le temps. Donc en tant qu'investisseur, on se dit, est-ce que cette société va être en croissance, va avoir des performances dans les années qui viennent et pas à court terme. On parle de 5, 10, 15 ans pour pouvoir faire, en tant qu'investisseur non coté, on va rester 5, 6 ans, on va devoir se projeter derrière sur la même durée. Et donc finalement, si une société a intégré ces éléments-là, ne serait-ce que dans sa capacité à durer compte tenu des éléments extérieurs, de l'environnement, des sujets sociaux, on va pouvoir se projeter. Ensuite, on est persuadé, nous, chez Utopia Gestion, c'est pour ça qu'on a lancé une société qui a comme thèse d'investissement finalement le fait de se dire qu'on peut avoir les deux jambes, l'impact et l'ambition business, c'est qu'on est persuadé qu'en fait on est plus performant quand on est durable, puisqu'on a un meilleur taux d'engagement des salariés, on a des clients qui sont très attachés à la marque, on a des fournisseurs qui comme ils sont mieux respectés, vous respectez aussi davantage, et finalement tout ça est assez vertueux. Et pour répondre au point de Maud, on l'a vu dans notre périmètre de 25 sociétés, il y a eu une très belle performance cette année, alors que l'année est très compliquée, en partie parce qu'elles sont digitales, mais aussi parce qu'elles ont su fonctionner de manière engageante avec tous leurs donneurs d'ordre, leurs parties prenantes, les clients. Et donc on est persuadé qu'effectivement le Covid, la crise montre que voilà, une société qui est dans son écosystème plus vertueuse et plus résiliente est capable de passer les crises et sera à long terme plus performante. Quant à l'investisseur, ça va nous intéresser pour la création de valeur même intrinsèque à notre investissement. Et du côté des analystes financiers, en fait, je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Antoine, c'est-à-dire qu'on constate que de plus en plus d'analystes utilisent ces données ESG parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus prégnante que un investissement en
en termes de responsabilité sociale a un impact positif sur la performance à long terme des entreprises. Et donc ce que nous, analystes, essayons de bien comprendre, et c'est en ça qu'on pose des questions aux entreprises, c'est effectivement de comprendre le lien entre l'engagement RSE et la performance financière. Ils sont vraiment les sujets sur lesquels on essaye de travailler avec les entreprises pour les aider à exprimer cela et nous, analystes, à mieux le comprendre et mieux le valoriser. Voilà, et en conclusion de cette table ronde, donc nous avons bien compris que comprendre la démarche RSE de l'entreprise, comprendre ses bonnes pratiques de gouvernance nous permettent de mieux analyser l'entreprise et nous permettent à l'évaluateur d'avoir véritablement une meilleure sécurité dans la pérennité des flux financiers de l'entreprise. Mais en aucun cas, nous avons de relation directe et mathématique entre les critères extra-financiers et les paramètres de valorisation. La démarche aujourd'hui, c'est du jugement professionnel, ce n'est pas l'application pure et simple de modèles mathématiques.